Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous voyez, je suis dans la voiture. Je suis en train de crever de chaud actuellement, mais c'est pas grave. Je suis avec Moulette. On va aux Moulettes à Paris. Allez, joie et bonne humeur. Elle était un peu stressée ce matin, elle était en retard. Alors elle s'est préparée vite vite. Il est 10h, on arrive là-bas à 14h très précisément. On va directement chez Estée Lauder parce que j'ai un rendez-vous avec le maquilleur de la marque. Donc on va découvrir un petit peu la partie soins Estée Lauder. On va y rester un petit moment, je pense. Ils sont vraiment vraiment adorables. On vous retrouve probablement tout à l'heure. Et voilà, ça y est, on est arrivé à Paris avec Moulette. On est arrivé il n'y a pas très longtemps. Le premier truc qu'on fait, c'est commander un Uber, donc là on attend. Je sais pas si c'est pas lui là-bas. Bien sûr. Elle s'est annulée ma course. Je comprends pas du tout là. Fausse alerte, on est dans le taxi. Ça, ce sont tous des intensités 1. Tu te souviens que je t'avais dit que dans un fond de teint, il y a 4 pigments. Ça, ce sont les roses. Beaucoup de rouge avec un tout petit peu de jaune. Et ensuite, tu as les neutrales, ouais, où tu as autant de rouge que de jaune. Tu as le 1C0, 1C1, 1C2. C'est-à-dire que là, c'est dans des quarts de ton. C'est-à-dire que le 1C1, il y a un tout petit peu, un chouïa plus foncé que le 0. Ouais. Le 2, un tout petit peu plus foncé que le 1. D'accord. Mais on est encore allé plus loin dans certaines teintes. Non, non. Parce que dans certaines teintes, il y a du 3,1,5. On n'est plus dans le, dixième de quart de ton, tu vois. C'est, mais c'est ça qui fait la différence, si tu le sais. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Là, tu as deux teintes. Le 2N1 ici, qui pour moi est ta couleur. Et là, tu as le 2N2. Tu préfères te voir par goût un peu plus allé. Est-ce que c'est important de te sentir bronzé, allé ou pas? C'est-à-dire qu'après, je rajoute toujours du bronzer, de toute façon. Ouais. Donc, je préfère partir sur une base. D'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est la couleur qu'on ne voit pas, c'est la bonne. Ouais. Et si tu regardes, c'est la 2N1 qui ne se voit pas. Avant, après, voyons. Elle a trouvé sa bonne teinte aussi. Double wear. Et puis alors là, je vais la garder, je vais me tuer. Et voilà, nous sommes rentrés à l'hôtel. Il y a vraiment pas longtemps pour le coup. Je crois qu'il est pas loin d'être 20h. Donc autant vous dire qu'on a papoté comme jamais là-bas. On est vraiment resté chez Estée Lauder jusqu'à 6h30. Depuis 3h, vous vous rendez compte? Franchement, c'était trop bien. On a passé une super après-midi. Je l'ai déjà dit, mais c'est une équipe juste en or, vraiment, vraiment, vraiment. Moulette a eu droit à une mise en beauté aussi. En fait, je voulais voir par rapport au fond de teint, je voulais trouver ma bonne teinte, vu qu'ils ont énormément de teintes, il y en a 58. Donc c'est énorme, c'est plein de sous-tons, etc. Du coup, il m'a expliqué vraiment, et ça, je vais vous mettre dans le vlog. Patrick nous a expliqué un petit peu comment fonctionner les teintes chez Estée Lauder en termes de fond de teint. Donc vous avez le 1, les lettres, la deuxième teinte et tout, c'était hyper intéressant. Donc je pense que ça, je vais vous laisser, parce que je pense que même pour vous ça peut être très très utile. Et après, Moulette a fait le même essai, elle a trouvé sa teinte également parfaite, elle était trop contente. Sur elle, le teint c'est canon. C'était intéressant. C'était vraiment un bon moment. Ouais. Un bon moment. Pour les peaux matures, etc. Il a déconseillé de poudrer, c'est-à-dire il a poudré juste un tout petit peu le front et la zone T, mais très légèrement. Après, le reste, il n'a pas poudré son teint pour éviter que ça marque tout ce qui est ridule, ride. Vraiment, en termes de maquillage, et ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à ne pas poudrer pour éviter que ça marque la peau. Enfin, et c'est vrai qu'on voit la différence. Un peu mature, on va dire. Le petit stylo, ouais, les imperfections. Ah oui, ça, je l'aurais pas montré. Parce qu'on est ressorti avec deux belles peaux. Ultra gâtés, mais pire que gâtés. Ah. Ils sont fous, fous, fous. Je les adore. Ouais, ça, on dirait que tu as pleuré. Non, parce que vraiment, c'est tellement sincère, ils sont tellement gentils. Ça, par contre, c'est divin. Bon. En fait, c'est la marque Erin, c'est la petite fille de Estée Lauder. Celui-ci me l'a fait sentir. Oh. En fait, c'est le tout dernier, il vient juste de sortir. Je me mets face à vous, c'est mieux. Et en fait, ça a la fleur d'oranger. Donc, si comme moi, vous adorez ce parfum-là, c'est pas fort en fait. Des fois, c'est vrai que ça peut être trop entêtant, mais là pas du tout. C'est trop moi en fait. C'est doux, mais je trouve que c'est féminin et ça change un peu. Il est divin celui-ci.
Si vous retrouvez un petit peu dans ma carnation, sachez que moi, ma teinte, c'est la 2N1, la désert beige. Là, le programme, c'est que, bon, c'est, on poste tout ça. On va les manger, accessoirement. On va pas très loin. On est à notre hôtel habituel, à l'hôtel Platine. Hyper accessible, la situation est top, on vient toujours ici. Donc voilà, je vous dis tout. On se retrouve sûrement dans quelques secondes dans mon assiette. Et celle de Mounette. On en est au dessert. Moi j'ai pris du pain perdu. Et Mounette, en fait, je filme parce qu'elle prend une gaufre. Évidemment, elle disait que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé une si bonne. Trop bonne. Délicieux. On se croirait au Parc des Princes. Comme vous voyez, je suis revenue à mon petit endroit habituel. On est rentré à la chambre d'hôtel. On a un truc à vous raconter. On est à l'Indiana, au resto, tout ça. Et donc on est là. Et en face, il y a une autre table, et un couple arrive avec des enfants et tout. Et il y a un mec qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Koué. Et le temps passe quoi, ça fait genre 3 quarts d'heure. Et je le regarde et tout, et je me dis, putain, il ressemble vachement à Koué quand même ce mec. Et puis au bout d'un moment, je le dis à maman, elle se retourne, et là. Et là. On reprend. Donc elle se tourne, et là. Qui vois-je Koué? Ah mais, on est arrivé à la fin du repas. Ouf, mais... Il y a quelqu'un qui ressemble à Koué. Et là, je me retourne sans lunettes. C'était Koué, c'est sûr. Et là, après, Jérôme me suis retournée avec les lunettes. Alors, c'était encore plus Koué. Non, mais elle a attendu tout le repas. Mais oui, bah, j'étais persuadée que c'était pas lui. Pour moi, c'était... Ouais. Je m'attendais tellement pas à le voir là. Mais au final, c'était vraiment lui. Le mec hyper cool et tout. Mais oui, c'est pour ça. C'est rigolo, quoi. Parce qu'en plus, Hugo, il adore Koué. Mais genre, vraiment, vraiment... Du coup j'ai envoyé un texto, j'ai dit à Koué en face. Il m'a rappelé de suite dans la foulée, il me fait c'est pas vrai et tout. Enfin voilà, voilà. C'était rigolo, c'était pour la petite anecdote du soir. T'as très bien mangé au passage, je vous retrouve demain. Ce salut sera un les bon filles, vlog. Je vais défaire ma valise. Vas-y, voilà. On se retrouve demain comme je vous disais, puisque c'est la journée presse de Sephora. Et que je vous explique vite fait, je pense pas que j'aurai le temps demain. C'est un endroit qui est ouvert à la presse et aux influenceurs, essentiellement pour présenter les nouveautés des marques exclusives Sephora. Donc c'est hyper intéressant, il y a les représentants de marques et tout, et on voit en avant-première les nouveautés, donc c'est vraiment très très cool. Et là pour cette journée presse, il y a notamment le make-up artiste de Kim Kardashian, donc Make-up by Mario, si vous connaissez sûrement. Il collabore et il travaille en étroite collaboration avec Laura Mercier. Du coup, il sera là demain. On va faire une masterclass demain matin à laquelle je vais assister. Je suis trop contente. Mes rêves, c'est d'assister à une de ces masterclass, des vraies masterclass. Donc, ça va être super intéressant. Et je vois l'après-midi en interview. Et je suis son travail depuis des années et ça va être super intéressant. Donc, voilà. On s'arrête là et on se retrouve demain. The Flawless Fusion Foundation. It lies on really evenly and it's like kind of gives more of like a natural glow to the skin, which I love. Majority of my work is really just on celebrity, and so I usually have to always put the makeup on any skin that is showing to really make sure that everything is even for camera and lighting. So I'm gonna do the same here as I would at work. You can do several layers without getting cakey. I like a lot of concealer. It really makes the face pop. Laura Mercier, the Laura Puff, which is my favorite, and I'm just going to put the powder on the puff like that, take off the excess on my hand, and then I just sort of press a little bit in the areas. Again, this pressing technique, it really makes it become part of the skin. The primer and the foundation that we use underneath now is going to grab this powder and make it one with the skin. So this is peach. Peach is my favorite. Smile. Pat it softly here on the apple. I like to bring blush sort of a little bit right in here too, especially if somebody has dark circles. She doesn't have it, but if somebody has dark circles, if you put a little bit right here, peach, it really takes away from the dark. Should we do like a Kim Kardashian liner, like very, very big? No. It has to match the model. Oh, happy Valentine's Day! Although I read before I got here, the first thing it said was, if you're not married, you cannot celebrate Valentine's Day. But I don't care, happy Valentine's Day! Ensuite, on va avoir deux nouveaux masques. Donc, le peeling mask, c'est un masque concentré en acide de feuille. Okay. Donc, pour un effet glow en 3 minutes. Très sympa. Et après, vous avez le freezing mask. Là, c'est un masque hydrogel, donc avec de l'eucalyptus et du menthol. Pour vraiment tonifier la peau, rafraîchir. Et des petits gels nettoyants.
Donc là, on joue sur un packaging très fun, très facile à emporter. Féline, vous l'aviez testé ou pas? C'est les deux dernières qu'on a testées. Ouais, la Féline, ça va, j'ai bien aimé. Moi, je trouve ça plus moderne, plus. Tu vois, tu peux plus t'éclater sur les teintes. À utiliser même pour faire un teint complet, il est d'accord. Joli teint, il unifie, il couvre bien les rougeurs, les imperfections. Et la poudre, donc nouvelle poudre compacte, finie satinée, irisée. Ah, sympa! Vraiment le côté très glowy, très lumineux, il y a 4 teintes. Ah, c'est trop joli! Donc on peut aussi utiliser la foncée par exemple en bronzer. Et le petit truc magique, le pinceau! Oh, est incorporé. Il y a que chez Marc Jacobs qu'on voit ça. Packaging. Et après on se dit comment je fais mon pinceau, comment je le remets dedans, je vais l'abîmer. Ça s'ouvre, on est bon, et on referme. C'est génial. La cliente, elle choisit, hop, elle va choisir ses teintes. D'accord. Donc imaginons, par exemple, on veut faire un blush. Ouais. On va se dire, par exemple, moi je veux celui-ci, avec un petit orangé. Pas mal. Et je veux rajouter une touche d'highlighter. Après, on choisit le motif, soit duo, trio ou marbré. Ah, donc ouais, marbré, c'est ça. Ah, c'est joli. Et tu peux mélanger toutes les teintes, ou alors plutôt séparer les teintes pour t'en servir séparément. J'ai pas trop vlogué aujourd'hui, mais là on se pose un petit peu. Il est, je sais pas quelle heure. 14h20. Voilà, petit moment pizza. Et on est accompagné cette fois-ci. Je suis avec Sarah. T'as la tête entre les deux bouteilles. Oui. Moi j'ai pris steak et poireaux. Amatrice de coco, vous allez adorer. Ça s'appelle Coco Cabana. Vous avez le baume, vous avez la brume. Et oh mon dieu. Hein? C'est divers. Moi aussi j'ai craqué. Tu m'as même mis dans la bouche. Moi aussi. Il y a aussi une huile scintillante translucide. Et il y a 4 teintes. Ah, c'est tout moi ça. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est moi ça. C'est beau pour le corps. Mais pour l'été, regarde. Ah ouais, c'est trop beau. Heureux coucou tout le monde, je clôture ce vlog et là je suis avec mon téléphone parce que j'ai laissé ma caméra dans la valise. J'ai beau la chercher, je ne la trouve pas. Voilà, Mouna était partie déjeuner là, du coup je voulais quand même vous clôturer un petit peu ce vlog. Vu que hier soir j'ai retrouvé une copine avec qui on a mangé et je me suis couchée vers 3h du mat. On a passé une super soirée, franchement c'était vraiment cool. Là aujourd'hui on part à 14h50, on a le train. Là j'ai un rendez-vous pro, il est 10h15. Donc dans un quart d'heure, je décolle aussi. Et c'est quand même pour revenir un petit peu sur la journée d'hier, puisque j'ai pas pu vous faire la moindre explication. La masterclass de Mario qui était le matin, qui a duré approximativement 1 heure, mais c'était dans le cadre d'une collaboration avec Laura Mercier. Et il y avait un timing très serré. Ça n'avait rien à voir avec les masterclass qui fait de son côté, qui sont hyper complètes et utilisent absolument de tout. Néanmoins, c'était quand même super intéressant de le voir à l'œuvre. Et en plus, il a utilisé la technique pour poudrer le teint. C'est celle dont je vous parlais dans ma vidéo de mercredi. Du coup, j'étais très fière de moi. J'étais toute contente. Voilà. Et en plus, après l'après-midi, comme je le disais, j'ai eu l'occasion de passer un quart d'heure avec lui, voire 20 minutes. On a bien discuté, enfin voilà, tous les deux à part et tout. J'ai pu lui poser toutes mes questions. Malheureusement, j'avais pas le droit de filmer, donc c'était genre super frustrant, mais c'était quand même l'occasion de discuter. J'ai enregistré en fait l'audio pour pouvoir vous transmettre un petit peu toutes ces réponses un petit peu, parce que j'avais des questions intéressantes, c'était cool. Et je vous mettrai tout ça sur Instagram, pas tout, parce que franchement, c'était assez long. Et je savais pas quoi m'attendre, parce qu'on peut vraiment être déçu, ça peut arriver. Là, pas du tout. Il était même timide, hyper humble, vraiment très 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 gentil. Je lui ai demandé s'il avait des techniques un petit peu de make-up, ça va, un petit peu bizarre, chelou et tout. Et pour info, je trouvais ça assez drôle. Il m'a dit quand il faisait les red carpet, donc les maquillages de célébrités pour les red carpet, la plupart, genre 98% du temps, il n'utilisait pas d'highlighter poudre ou crème, mais il utilisait de la vaseline ou du baume à lèvres. Ça ressortait beaucoup mieux et ça avait cet effet glass skin, vous voyez, un effet réflecteur de lumière, mais sans paillettes. Après, c'est la journée presse, il y avait plein de nouveautés hyper cool. Il y en avait plein qui étaient sous embargo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en parler, c'est ultra confidentiel, on a pu les voir. Mais pas de photos ni rien, et laissez-moi vous dire que il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment canons. Donc sur ce, je voulais pas vous laisser non plus comme ça sur une fin hyper abrupte. Voilà, elle est là. Elle est là, la Mounette. Elle est là, ça y est. Ouh. J'aime vraiment ce sous-temps au passage. Ah bon? À chaque fois, je le trouve canon.
Eh oui, mais c'est mon netki là. Ah oui. C'est pas bon. Voilà. Alors, allez, sur ce, je vous laisse. Et je suis désolée si je regarde sur le côté, mais je sais pas où c'est qu'il faut regarder sur l'iPhone. Bref. Allez, plein de gros bisous et à très vite. Salut, bye. Les filles. Bye.